la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans 3 Jean 1, verset 11. Chers amis, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons jour après jour essaye continuellement de nous conformer à son image. Le mot « conformer » signifie « être semblable par la forme et le caractère, se comporter en fonction de mode et de coutume ». Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». Et 3 Jean 1, verset 11 nous enseigne « Cher ami, imite non le mal mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu ». Les gens vont toujours essayer de nous faire rentrer dans un moule en raison de leur propre insécurité. Cela les aide à se sentir plus sûrs d'eux-mêmes s'ils arrivent à faire en sorte que les autres fassent la même chose qu'eux. Peu de gens ont la capacité d'être réellement eux-mêmes, et laissant les autres l'être aussi. Pouvez-vous imaginer notre monde si chacun agissait de la sorte? Si chaque personne était sûre d'elle-même et laissait les autres être libres d'être eux-mêmes également. Nous n'aurions pas besoin d'essayer de nous ressembler les uns les autres. Je veux vous encourager aujourd'hui à croire que vous pouvez être un imitateur du Christ et casser tous les moules imposés par le monde. Prions ensemble. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas tomber dans le piège de me conformer au monde. Aide-moi à faire le bien et à vivre comme Christ. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr.